Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur? À ton avis, George. Bien entendu. Où ai-je la tête? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. À portée de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Jacob! Evie! Que le credo vous guide, bande de canailles! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Evie Fry, tout est bien cette insolence. Disons que cette famille, Jacob. Bonne chasse. Sois prudent. Il hurlait comme ça! Il perturbe les autres ouvriers! Faites-le taire! Et réparez cette satanée machine! Et qu'on m'envoie du laudanum pour ma tête! À votre service. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Va-t'en, tu vas le regretter! Personne n'entre ni ne sort, sauf s'il y a un problème. Si j'arrête les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. Lequel de vous est responsable de ça? C'est pas nous. C'est qui? L'inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui vas mourir. Passe ton chemin, gamin. Tu vas m'apprendre pour que je t'épargne. Et lui, coup.
Je suis mal parti. Bon Dieu. Ferris, me voilà. Monsieur Ferris a donné l'ordre que les ouvriers travaillant à Pâques reçoivent double ration. Il est temps de prendre de la hauteur. Passez sur le côté. Qu'est-ce que Starik a prévu de construire ? Des dirigeables. C'est incroyable ! Qui te l'a dit ? C'est toi, espèce de cervelle de piaf. T'as pas arrêté de m'en parler tout l'après-midi. C'est aussi dur de te faire taire que de te faire oublier. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? On a un intrus ! Je vais te faire avaler dedans. Essaye de m'empêcher.
S'occupe de lui. Monsieur Ferris, il faudrait emmener cet homme chez l'apothicaire pour qu'il panse ses plaies. Bien. Mais retenez-lui sa paye. Oui, monsieur. Thank you.
C'est terminé. Oh. Et que crois-tu avoir accompli, petit? Tu as desserré un écrou de la machine de Starik. Un gros écrou, mais ça ne changera rien. Ton grand maître sera vaincu. Les assassins ne deviendront jamais les maîtres de Londres. Le mécanisme que nous avons conçu est en marche depuis un siècle et il tournera encore dans le prochain millénaire. Il est le cœur même de cette ville. Nous arracherons Londres de vos griffes. Depuis Croydon, tu rôdes dans l'ombre, tel un couar. Tu échoueras. Se sent plus d'attaque. Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. La prochaine fois, j'irai à pied.